Quand Kadmerad apprend à jouer de la trompette ou Nawel Madani du trombone. On y va ? On respire ? On lève ? Je suis étonné moi-même. Vas-y, ça c'est bien. Go. Ok. Maintenant, ça c'est quoi comme note ? Ça c'est un sol. Bon. Improbox, ça démarre samedi à 19h en clair sur Canal+. Comment vous est venue cette idée ? Et pour, à l'occasion de la fête de la musique, je me dis qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Montrer que les instruments de musique sont accessibles à tous. Que composer une musique, c'est pas si compliqué que ça non plus. Que... Parce que c'est ce qu'ils font, vos invités. Ils apprennent, ils composent et ils se produisent. Oui, c'est ça. Et souvent, vous savez, dans les conservatoires, dans les écoles, on avait déjà parlé des conservatoires il y a quelques temps, vous m'aviez invité. Et c'est vrai que j'ai tendance toujours à dire que dans les conservatoires, on a tendance à aller dans une science du travail de la musique, le solfège, l'apprentissage, les codes, etc. Or, en fait, c'est quand même quelque chose de très instinctif au départ. Donc, montrer que quelqu'un comme Kad ou comme Nawel ou d'autres, Kev Adams, Stéphane de Groot, Isabelle Nanty, peuvent prendre un instrument qu'ils n'ont jamais touché de leur vie. Et deux heures plus tard, mais nous, on a condensé, évidemment, chaque émission fait un peu moins de 30 minutes, mais deux heures plus tard, un, ils ont appris à jouer de cet instrument, et ils en jouent pas mal du tout. Hein. Deux, ils ont composé une musique avec... Et trois, ils font un live avec plein de gens autour d'eux et on est 150 à jouer tous ensemble la musique qu'eux ont composée. Et donc ça permet de montrer vraiment à tout le monde que même ces personnes-là qui n'étaient vraiment pas obligés de le faire, hein, ils se sont mis en danger, ils mettaient oui, un peu leur crédibilité. Il y a un peu de canard au début. Quoi, de... Oui, et d'ailleurs, c'est ce que vous avez montré au début pour rigoler. Mais en fait, en vrai, si vous montrez le résultat, vous seriez bluffé. Oui, mais c'est ce que vous avez fait vous pendant le confinement. Alors évidemment, vous êtes déjà un as de la musique et de la trompette. Vous êtes mis à la guitare pendant le confinement ? Oui, je me suis mis à la guitare, absolument. Et je me disais, mais est-ce que je prêche pour tout le monde, sous prétexte que je joue de la trompette, un peu de piano et tout ça, pourquoi je ne le refais pas moi-même à nouveau ? Et j'aime bien faire des expériences comme ça, c'est-à-dire repartir à zéro. Et la guitare est un instrument qui m'a toujours inspiré. J'ai toujours adoré, j'ai toujours rêvé de savoir faire comme ça et de pouvoir jouer des musiques. Maintenant, vous savez. Ouais, faut que j'apprenne un peu, voilà. Et le violon, vous êtes, non ? Pas mieux. Pas encore. C'est un instrument qui très difficile le violon. Kev a fait un travail incroyable. Kev Adams a pris le violon et franchement, j'admire. Il a réussi à faire quelque chose de super. Nous aussi, on a eu envie d'apprendre un instrument et on a cru au miracle. Un quoi ? Surtout un instrument. Un instrument. C'est l'émotion. Ouais, c'est l'émotion. Parce que c'était un miracle cet après-midi lors des répétitions. On a tout essayé, on a tout tenté, mais c'était compliqué. Miracle. Ça va ça ? Ça va dans mes cordes. Mais... Non. En contre-temps, hein, donc sur les 2 et les 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. On va répéter, on va travailler. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est bien. Bonjour. Tu sais jouer du tam-tam ou pas du tout ? Oui. Enfin, voilà. du djembé en cinquième. Bah, la tête qui va avec, en tout cas. Ok, j'essaye. Fais deux coups, un gros. C'est sympa. Et quand je dis 1, 2, 3, 4, vous vous arrêtez. 1, 2, 3, 4. Code. Donc quand je dis 1, 2, 3, 4, excuse-moi. Stop. Et après, il y a le thème qui commence. Quand... Ah, d'accord, j'ai Et quand pas le thème compris. Commence, là, vous relancez. Je regarde. Toute l'équipe de C'est à vous est sur la scène de C'est à vous. Le chef d'orchestre, c'est Ibrahim Malouf. Et on va interpréter quel titre, Ibrahim ? Soul Bossa Nova, c'est un titre de Quincy Jones. C'est pour rendre un petit hommage à Quincy. Avec François, avec des vrais musiciens quand même. Ibrahim à la trompette, François Delporte à la guitare et Mihai Pirvan. J'ai dit au téléphone. Non, au saxophone. On est prêts ? Ok. Allez, vas-y. François commence. Et je compte, hein, les amis. Hein. Vous êtes prêts ? 1, 2, 1, 2, 3, et...